Salut à tous. Donc dans cette vidéo, on va un peu changer de registre par rapport aux autres vidéos où on fait les travaux d'automne, sorgho, paillage. Donc là on va changer de travaux. Vous avez pu voir que j'ai allumé le tracteur. Donc le 690 est allumé tant qu'il chauffe, parce qu'à la saison il fait quand même moins chaud. J'ai mis des caisses, donc jaune, alors jaune, vert, rouge, c'est la couleur que vous voulez, avec des palettes. Et aujourd'hui je vais aller arracher. Le seul problème, je vais aller tout seul. Alors, pas tout à fait tout seul, il y a mon père qui va me rejoindre aux carottes, mais toute l'équipe qui est là est au poireau. Donc, il faut que j'emmène le tracteur. Vous avez pu voir qu'il y avait la souveuse qui est derrière. Devant, il y a le lève-palette qui est mis à l'avant. Et il faut que j'emmène aussi la remorque. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par dételer la souveuse que je vais mettre à l'avant et atteler le plateau que je vais venir reculer ici pour charger les caisses et les palettes. Et évidemment, je ne vais pas vous le filmer parce que vous pouvez voir derrière moi, tout est dehors et dehors il fait nuit noire. Donc je ne vais pas filmer quelque chose qui va être noir, c'est inutile. Donc je m'occupe de tout préparer et après on va aller aux carottes. Bon, ça y est, vous avez pu voir, la remorque, elle est prête. Donc j'ai mis les caisses, les palettes. Dans le tracteur, je dois avoir du film pour mes palettes quand elles seront faites. Bon, c'est pas tout à l'heure. Mais juste avant, je vais aller dans la voiture et je vais chercher ma queue de ciré. Sinon, je risque d'avoir froid au genou. Donc, j'ai ma queue de ciré et aussi les gants. Ils sont juste là, très important aussi, et comme ça on va être prêt à partir. Donc pareil pour les gants, une petite astuce, comme ils passent la nuit au tracteur, ils sont pas chauds le matin. Donc mon astuce, comme ils sont propres, je vais les poser sur le siège, comme ça long de la route je vais passer dessus et ça va les réchauffer. Bon, ça y est, je suis arrivé au champ, donc j'ai remis la souveuse derrière. Alors j'ai voulu filmer, mais j'ai pas appuyé sur le bouton évidemment. Donc bon, c'est pas grave, ça va pas filmer. Donc ça y est, la souveuse est attelée, enfin presque. Il manque juste la petite barre là à mettre, voilà. Donc la souveuse est attelée, la remorque est juste derrière là. Donc si je l'ai mise là, c'est parce qu'il y a un trou qui est fait pour pouvoir charger. Vous allez voir pourquoi à la fin. Donc j'en profitais parce qu'il est 8h30, donc mon père n'est pas arrivé, pour vous expliquer pourquoi j'ai pris des caisses jaunes. En général, on prend des cartons, des cartons Lidl, des 2,5, des 5 kg, mais pas des caisses jaunes. Donc aujourd'hui, j'ai pris des caisses jaunes, enfin, ce matin, parce que cet après-midi, on ira faire des carottes, mais ce matin, on va faire des carottes, donc qui sont ici, donc là, c'est des violettes, donc il ne m'en reste pas beaucoup, c'est juste des pointes. Et derrière moi, on a dans le milieu les blanches et dans le fond, les jaunes. Donc vendredi soir, ma coopérative m'a envoyé la commande et il me faut 250 kg de chaque couleur. Donc ça va faire 50 caisses, 5 kg. Jusqu'à là, vous me suivez. Et donc moi, je sais que pour faire 250 kg, il va me falloir 13 caisses jaunes. Donc, enfin, c'est un grand mot. 13 caisses en temps normal. Sauf qu'il faut savoir que les violettes, on a des taches, on a un peu de pertes. Elles pèsent beaucoup moins lourd, sont pointues, mais c'est normal, c'est la variété.
Les blanches, elles ont tendance à casser, donc il y a des taches et elles cassent. Donc pareil, il faut faire un peu plus. Par contre, bon, les jaunes, par contre, c'est génial, vous allez voir. Les jaunes, j'adore les faire. Donc aussi, on peut voir quand même que le jaune d'air, c'est quand même très pratique ce que j'ai mis à l'avant. Alors, c'est pas fait pour emmener la souleveuse. En général, il y a Gérard ou il y a moi qui a la remorque pour les carottes, sauf que là, je suis tout seul parce qu'il me faut les carottes aujourd'hui. Donc j'ai pris l'initiative de venir les faire. Donc tout seul, non, parce que mon père va m'accompagner. Mais sinon, voilà. Sinon, on est toujours deux. Donc là, je suis tout seul. La solution, c'est la souleveuse devant. Je pense que le pont avant n'aime pas trop, mais bon, on n'en abuse pas, donc ça va. Et vous allez voir aussi après pour charger, même si vous l'avez déjà vu, donc il y a 15 jours, c'est quand même super pratique pour charger. Et maintenant, Valentin, il est autonome. Tout seul, il peut charger ses remorques, rentrer. Par exemple, il y a 15 jours qu'on a fait la paille. Bon, vous, il y a une semaine pour vous dans la vidéo. Tout seul, il a pu soulever les carottes. Le midi, il a ramené les carottes au garage avec le plateau que je lui avais amené. Il a pu charger, décharger au garage avec le quai. Bon, c'est facile. Et revenir après-midi, s'en occuper. Donc, c'était vraiment... c'est quand même super pratique parce qu'avant, on pouvait pas faire ça. Avant, il me fallait le case et pour la paille. Et il fallait emmener en bout pour charger les carottes. Donc, franchement, c'est quand même un bon investissement. Donc, maintenant, on va soulever les carottes. Je pense que je vais commencer par les violettes. C'est les plus longues et les plus chiantes à faire. Vous allez voir, elles sont pointues, elles sont... Enfin, vous allez voir, c'est vraiment le bordel, les violettes. Donc, je vais commencer par les violettes, et après, on finira aux blanches, puis aux jaunes. Donc là, j'ai soulevé que le petit bout, vous avez pu voir. Il n'y en a sûrement pas assez, mais le souci, c'est qu'à côté, il faut que j'enlève la ligne de tuyau. Parce que mine de rien, c'est quasiment tous enlevés, sauf ici, et puis que je vais montrer au carreau où j'ai mis la paille. Donc on viendra acheter ça quand on sera quitte de pailler tout ça. Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour aller 2 heures, tout casser avec la route à faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes gants. Hop. Alors bien penser à mettre le polaire par-dessus les gants pour pas que le sable il rentre dedans. Après, je prends la culotte. J'ai dit la culotte, pas les culottes. Ça, c'est la Valentin. Hop. Je file un peu. Et maintenant, je vais chercher des caisses sur la remorque. On va en mettre 3-4 pour ce que j'ai soulevé. Et puis après, c'est parti pour arracher les violettes. Alors, il y a les violettes, il y en a pour 1 heure. Hein. Rien que les violettes, parce que je vous dis, c'est très long à faire. Donc, quand on est 5, 6 ou 7 à faire, ça va. Quand je vais être tout seul, ou voir avec mon père qui va arriver, ça va être quand même plus long. Donc, les carottes violettes, comme je vous disais, voilà. Donc, celle-là est tachée. Alors, faut les voir. Hein. Et sinon, vous voyez, quand je vous dis que c'est petit, donc ça, je mets pas ça. Tout ça, je jette. Donc voilà, vous voyez, c'est pointu. Vous voyez, c'est du beau calibre, hein, mais ça reste du carotte pointu. Donc ça fait que ça va quand même beaucoup moins vite. Donc ça y est, je viens de finir la première caisse. Donc une fois arraché, voilà, ça donne quand même des carottes assez correctes quand même, mais ça reste pointu. Vous allez voir qu'après les blanches et les jaunes, ce ne sera pas du tout les mêmes. Donc maintenant, je continue à arracher toutes les violettes et je vous reprends quand je suis aux blanches. Bon, on se retrouve, il est 10h, vous avez mis 1h et un quart à arracher. Donc là, j'en ai fait 14 caisses, j'en ai fait une de plus, comme elles sont plus petites, il y a toujours un peu de perte avec les tâches, donc on a fait une de plus pour pouvoir avoir les 50 caisses et en avoir assez. Et là maintenant, on change de coin dans la parcelle, on s'en va dans les carottes blanches, donc là c'est autre chose. Hein. Là, je vais vous montrer, j'en ai soulevé un peu. Donc, sur ce rang-là, voilà, on a des carottes qui sont quand même beaucoup plus costaud, donc ça va aller beaucoup plus vite. Bon, alors, toujours des tâches, évidemment, les tâches toujours présentes, mais dans l'ensemble, voilà, vous voyez, ça va l'enlever. Donc voilà, donc là maintenant on va arracher ça, et donc là je vais vous dire, à un moment donné, on en a pour beaucoup moins longtemps à faire ce petit bout là. Bon, ça y est, là il est 11h moins 10, quasiment 11h, donc on a fini les blanches, on a attaqué les jaunes. Bon, je vous ai pas montré les jaunes, vous verrez cet après-midi à la laverie quand on va se faire laver. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai laissé mon père arracher des carottes. Donc moi je vais commencer à faire les palettes de violettes et de blanches. Comme ça, ça lui permet de ne pas charger et continuer à arracher. Surtout que les jaunes, vous allez voir, elles sont quand même pas vilaines. C'est quand même assez sympa à arracher.
Donc là, je prends la palette qui est juste là-bas et puis je viens charger les carottes dessus. Bon, on se retrouve à midi moins 20, pour ton entrée. Donc, ça y est, la remorque est remise d'un tracteur, la souleveuse est juste à côté de moi là, que je vais mettre sur la fourche. Enfin, sur le lève-palette à l'avant, c'est pas vraiment une fourche. Et puis là, maintenant, j'ai plus qu'à rentrer au garage, on va aller manger, et après manger, je sais pas encore comment je vais faire pour les laver. Est-ce que vous avez une heure et demie ou plus tard, je vais voir. J'ai le poireau aussi à l'arracher, parce qu'il n'y a pas que les carottes à faire, évidemment. Bon, on se retrouve dans l'après-midi, alors pas début d'après-midi parce que je suis allé arracher mon poireau, bon, qui est derrière là-bas, vous voyez pas. Donc les carottes sont à quai, d'ailleurs le traiteur a changé, hein, c'est plus John Deere, c'est le casse parce que John Deere va vraiment être à la reprise pour aller aux carottes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la palette de carottes, je vais commencer par une palette de carottes, on va les faire une par une. Mais juste avant, je rentre dans le garage et faut que je tire les deux palettes de poireaux, donc c'est le contrat d'aujourd'hui qui a été pêché ce matin. Donc il y a aussi 1,5 tonne de poireaux qui est parti chez un autre acheteur ce matin. Donc ça fait que j'arrive à 14h. Et donc là je vais tirer mon contrat qui est ici, que je vais décaler à côté. Et on va mettre la palette de carottes juste derrière. Donc je fais ça et après je explique comment on fait pour laver. Donc ça y est, vous avez pu voir, tout est prêt. La palette est ramenée, les carottes sont ramenées, les caisses, c'est ma mère qui les a ramenées tout à l'heure, je suppose. Et donc ce matin, j'ai arraché avec mon père et cet après-midi, je vais laver avec ma mère. Comme ça, je change de personne, ça évite de m'engueuler avec eux. Non, je rigole, blague à part. Donc maintenant que tout est prêt, on va mettre en route. Donc la machine, la voilà. Donc c'est à l'ancienne, hein, ça s'appelle une parmentière. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement après.
Vous pouvez voir juste au-dessus aussi qu'il y a une petite trémie avec un tapis, un genre de convoyeur pour emmener les légumes. Le seul souci, c'est que c'est toujours pas en route parce qu'il manque toutes les lattes pour faire monter les légumes. Donc on va faire à l'ancienne. Vous allez voir, on va mettre les caisses une par une dedans. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide et c'est très bien comme ça. Donc le système de la parmentière, c'est tout simple, c'est un bol. C'est un bol avec un plateau qui est dans le fond. Bon, là, il est rouillé, mais il va vite se dérouiller hein, aux premières machines. Le bol a tourné, voilà, assez rapidement. Et le bol, il tourne grâce à une courroie qui est ici, entraînée par un moteur qui, lui, est derrière. Le moteur est caché là-dessous pour être à l'abri de l'eau. On a une arrivée d'eau qui est ici. Donc, il va arroser les légumes et laver, tout simplement. Et une fois que c'est lavé, on a une porte qui est devant, on ouvre avec un tapis non mécanisé, c'est juste une planche où les carottes viennent dessus. Et évidemment, une petite planche qu'on met dessus pour aller se faire arroser quand c'est plein. Donc maintenant que vous avez vu le parcours, il n'y a plus qu'à vous montrer en marche. Et puis maintenant, c'est parti pour tout laver. Et dans chaque parmentière, je mets deux caisses jaunes. Donc comme j'ai fait 13 ou 14 caisses par couleur, j'ai 7 machines à faire par couleur. Et aussi, je ne vous ai pas dit, mais pour la vidéo, vous allez voir, la machine fait beaucoup de bruit. Donc, si vous avez mal aux oreilles, c'est normal, nous aussi. Donc ça y est, là c'est parti. Donc vous avez vu aussi en dessous, l'évacuation de l'eau se fait par en dessous. Et j'avais fait une dalle en béton, enfin mon oncle avait fait une dalle en béton avec une gouttière dans le milieu, enfin un tube en PVC. Et la sortie est juste là. Donc en fait, la sortie poireau, elle est là-bas. Et celle de panée, enfin la panée carotte, la parmentière, elle vient ici. Comme ça, toute l'eau se rejoint au même endroit, c'est beaucoup plus simple. Le sable se met au même endroit. Et pour l'eau, bah tout au même endroit en fait, ça évite d'avoir plusieurs fosses pour la même chose. Bon, maintenant je m'en vais laver et dès que la machine va t'arrêter, parce qu'on fait des pauses, on va pas assez vite pour à deux, on va pas assez vite pour suivre la machine. Donc dès qu'on fait une pause, je vous montre le triage, le pesage et comment on les met sur la palette. Donc là, ça y est, j'ai stoppé la machine, donc on vient de faire laver 6 caisses. Bon, en même temps, le tapis est plein forcément, je vous explique que je fais rien, ma mère est toute seule. Donc, une fois que je suis parti, ah d'ailleurs vous pouvez remarquer, après la queue de cire et les gants, maintenant c'est le tablier qui est sur moi. Donc on change tous les jours d'affaires, c'est génial. Donc le tapis là il est bien rempli. Donc maintenant le système de trier, c'est pas compliqué, on prend les carottes, on les met dans les caisses. Donc moi je remplis ici, j'ai mes caisses vides là, je remplis ici. Et ma mère reste là-bas avec la bascule, elle est remplie tant que je remplis aussi, parce que je vais pas assez vite évidemment. Et voilà, une fois qu'elle a pesé, elle va mettre soit la palette qui est juste derrière, qui est juste là, la raison pour laquelle j'ai enlevé le poireau tout à l'heure. Et après, ben, elle monte les palettes à la hauteur qu'il faut. Aujourd'hui, c'est 50. Donc, si je me trompe pas, ça va être 6 de haut. C'est des petites palettes, hein, mais il y en aura 3. Et donc, au niveau du triage, donc en gros, il n'y a pas comme ça arraché à la main, il n'y a pas grand tri à faire. Je vais vous en trouver. Bon, là, voilà, y a une orange qui arrive dans le lot. Dans un champ. Là, on va jeter aussi tout ce qui est les tâches. Aussi, quand on lave les cassés, qu'on enlève. Là, pareil. Voilà, ça, on jette. Et après, ben, dans les jeux, il n'y a pas beaucoup de casse. Voilà, là, on a encore une tâche. Et donc, on met tout dans la caisse qui est ici. Parce que juste en dessous, je vais essayer de vous montrer, mais je vais me faire engueuler.
peux vous montrer. On a deux à ranger. Juste en dessous, j'ai un trou et il y a une caisse qui est mise en dessous. Quand toutes les mauvaises tombent dans le fond. Et on peut voir aussi qu'il y a un bout de ferraille qui est ici, qui est en rond. Et en fait, avant, ce tapis-là, il servait aux carottes au normal. Et le déchet, on mettait un filet dessous et le déchet tombait dedans pour les animaux. Bon, moi, le déchet, j'en fais pas. Ça se met dans des caisses et ça part dans la benne à épluche qui est juste derrière là-bas. Donc maintenant, je vais vous poser la caméra tant que je trie un peu de carottes pour que vous voyez vraiment le fonctionnement en marche. Et puis après, bah, je finis de laver toutes les carottes et je vous retrouve quand je suis quitte. Là, bouge pas la table. Oh bah, bouge pas la table, c'est rigolo. Hein ? Bouge pas la table, c'est rigolo. Bon, ça y est, je vous retrouve. Donc, il est 5h moins le quart. Donc, on a mis quasiment 2h. Mais bon, on a pris un café entre deux. Donc, évidemment, ça rajoute du temps. Donc, derrière moi, ça y est, on a les violettes, les blanches et les jaunes. Donc, je vous montre le rendu. Donc, les violettes, bon, c'est pas si mal, il faut laver. Hein. Mais après, le souci, c'est qu'on a beaucoup de taches. Je pourrais vous les montrer. Ben, les violettes, vous voyez, une fois lavées, elles sont pas en champ, mais il y a beaucoup, énormément de taches. En fait. Donc les blanches, bon les blanches il n'y a pas trop de soucis à part les petites taches qui se promènent pareil. Hein. Mais bon il n'y a rien de méchant. Donc voilà, mais sinon c'est un beau rendu aussi. Et le meilleur pour la fin, les jaunes, bon elles vraiment, elles sont vraiment nickel. Non mais sérieux, c'est plus de bruit ton balai. Et t'as GG qui roule le sang. Bon, troisième essai où je vais vous montrer les cas. Putain, non mais sérieux. J'en ai ras le bol. Voilà, voilà le celui qui fait du bruit. Dépêche-toi Gérard. Voilà. Entre Gérard et son tire-pâle, Sarah et son balai, je peux y arriver. Donc, quatrième essai. Donc je vous disais que les carottes... Non mais non. Oh, vous êtes fouillé, putain. Il y a pas longtemps. Dépêche-toi. Donc, quatrième essai, je vais y arriver à force. Donc je vous disais justement pour qu'il y ait du bruit. Que les carottes jaunes se rapprochent beaucoup de la carotte orange. Voilà, c'est des carottes qui sont boutées, qui sont. Voilà, qui sont identiques à l'orange. C'est plus joli en caisse. Bon, je suis sorti dehors, ils sont infects, il faut extraire du bruit pendant que j'essaie de parler en vidéo. Donc, vous avez compris que maintenant les carottes sont lavées, sont en palette. Donc, maintenant, il reste encore une chose à faire ce soir. C'est moi qui vais la faire, ça va être Gérard. Donc là, il vide les carottes qu'on arrache tantôt pour demain.
Et après, il s'en va. On va charger le poireau, donc les carottes normales qui ont été faites, mais je vous ai pas montré, c'est pas le but de la vidéo. Et les carottes de couleur. Et après, ça va à la livraison. Et c'est fini pour les carottes. Un peu là. Ah, mais c'est bon là. C'est nickel. Bon, donc ça y est, ce coup-ci, il a réussi à charger donc toutes les palettes. Donc là, il s'en va livrer les carottes de couleur avec tout le reste, hein, évidemment. Et donc, nous, du coup, on va finir notre journée tranquillement. Et pour demain, c'est peut-être un avant-goût de prochaine vidéo. On va faire des caisses comme ça. Donc, pareil, à 5 kg, mais beaucoup plus que les autres. Et c'est du pané. En fait, un jour sur deux, on fait une journée carotte de couleur, une journée panée, pour éviter de tout faire la même journée. Je ferai sûrement une vidéo sur le pané, même si, de toute façon, le système, il est le même. On arrache pareil dans les caisses pareilles, on lave pareil, et on livre dans les autres caisses. Il y a différents emballages. Je vous ferai sûrement une vidéo quand il y aura les deux emballages différents. Je ferai un peu de contenu quand même dans la vidéo, mais en gros, ce sera le même type de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. C'était un peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est la première fois que j'en fais, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !